Bonjour la communauté, bienvenue dans cette présentation sur la création de sites web. Pour ceux qui ne le savent pas, dans cette présentation, nous utilisons l'outil Sheeta de la plateforme Builderall. Vous avez un lien dans la description pour en savoir plus. Aujourd'hui, nous allons parler de l'élément boîte. Donc, pour info, hein, on a déjà fait un petit joli parcours hein, depuis. Donc, si vous n'avez pas regardé les précédentes présentations, je vous invite vivement à aller le faire parce que on a parlé de beaucoup de choses. Maintenant, aujourd'hui, c'est de l'élément boîte qu'il s'agit. Pour aller trouver cet élément boîte, vous rappelez, il faut aller là où se trouvent toutes les fonctions. Donc, je clique dessus. Donc, actuellement, je suis déjà sur l'élément boîte. Normalement, vous, quand vous allez le faire, vous arriverez à cliquer sur l'élément ajouté et puis cliquer sur éléments. Et là, vous aurez tous les éléments. Donc, nous allons chercher notre boîte. Et là, et je vais prendre la première boîte. Je glisse, je dépose. Donc, là, j'ai mon élément boîte. Quand je vais cliquer sur l'élément boîte, j'ai des fonctionnalités. La disquette, on le sait bien, c'est pour enregistrer cet élément comme. Ça nous permet d'enregistrer l'élément comme un élément personnel. Donc là, cette boîte, je peux l'enregistrer comme mon élément personnel. Si je clique sur le crayon, je vais avoir les fonctionnalités liées à la boîte ici. OK? Donc, les deux éléments là, ça permet de. Les deux fonctions, pardon, là, ça permet de comment dit-on? De jouer sur la position de l'élément sur la page. Donc, je peux décider que cette boîte doit être en dessous d'un autre élément, etc. C'est avec ça que c'est avec ces deux fonctions-là que je le fais. On les retrouve aussi ailleurs, mais on en reparlera plus tard. Si je veux centrer la boîte sur la page, je clique là et elle est centrée sur la page. Si je veux par exemple que cette boîte-là soit reste figée hein, sur la page, même quand on va la scroller, je vais utiliser cette fonction, la fonction épingler. Donc, si je clique dessus, par exemple, je peux décider où est-ce que je veux que cette boîte soit épinglée. Donc, je clique là, par exemple, là, et je fais terminer. Ma boîte est épinglée sur le côté. Je fais enregistrer et je fais publier. Donc, si je vais là, je vais fermer ça. Tac, je vais là, je recharge cette page. Et là, ma boîte, elle est ici. Donc, vous allez remarquer que je scrolle la page, mais ma boîte reste fixe. Donc, ça permet, c'est ce que l'élément, la fonction épingler permet de faire. Donc, cette boîte, je peux lui donner la dimension que je veux. C'est intéressant quand on veut, par exemple, figer certains éléments hein, sur la page. Ça facilite la tâche, en fait, quand on veut le faire. Donc, ça, c'est l'une des fonctionnalités de l'élément boîte. Maintenant, je vais juste continuer. Donc voilà, je refais juste pour que vous voyez ce qui vient de se passer. Donc la même chose, vous voyez, donc c'est un peu plus réduit, etc. Ok, donc ça vous donne des idées, vous savez ce que vous pouvez faire avec. Donc là, on va enlever la fonction épingler, je supprime, et c'est bon, je peux bouger ma boîte où je veux sur la page. Si je veux dupliquer cette boîte, c'est avec ça. Okay. Si je veux cacher la boîte, c'est avec l'œil. Okay. Si je veux supprimer, c'est avec ça, avec cette fonction. La prochaine fois, dans la prochaine présentation, nous allons commencer à regarder en détail hein, les autres fonctionnalités de l'élément boîte. Donc pour cela, on va commencer à parler de tout ce qui est là. Okay. Je vous invite à nous suivre sur les réseaux sociaux, hein, Facebook, YouTube, Instagram. Et LinkedIn. Et puis, si vous voulez créer vous-même votre site internet, nous avons une formation gratuite pour y accéder. Il suffit d'aller sur notre site awdeo.fr et scroller jusqu'au milieu de la page. Et vous avez un bouton qui est marqué là. Je commence ma formation. Vous cliquez dessus et vous aurez toutes les instructions pour récupérer les informations dont il vous faut pour créer votre site internet. D'ici là, on se retrouve pour une prochaine présentation. Bye bye.